Dans cette vidéo, nous allons aborder quelles sont les clés d'un bon diaporama et comment le créer. Tout d'abord, on se posera la question pourquoi le diaporama est nécessaire. Je vous montrerai ensuite un exemple de diaporama et enfin, je vous présenterai l'outil Google Slide pour créer ce diaporama. Pourquoi le diaporama est nécessaire Tout d'abord, il va offrir un point de focalisation à l'apprenant quand il sera au sein de la salle de réunion. Ceci est particulièrement important lorsque vous n'avez rien d'autre à projeter ou si vous ne souhaitez pas que l'ensemble des participants active leur webcam et soit visible. Ensuite, le deuxième intérêt, c'est celui de pouvoir accueillir l'apprenant dans la salle. Dès que la personne arrive dans la salle de réunion, il voit le diaporama avec la première diapo qui peut l'accueillir et lui donner des premières instructions. Enfin, le troisième point clé important est celui du rythme que vous souhaitez mettre dans la formation. Le diaporama peut vous y aider. Prenons un exemple de diaporama. Je vais vous montrer le diaporama que j'aurais fait si cette vidéo était une formation dans une salle de réunion Zoom. On y verra qu'il y a une diapo d'accueil, une diapo par chapitre, c'est un minimum, et quelles sont les informations clés que l'on devrait mettre dans le diaporama. Voici le diaporama. Tout d'abord, la première slide permet d'accueillir le participant en lui donnant des premières informations. Là, dans ce cas-là, le fait qu'il faut patienter et attendre l'heure précise. Pour le démarrage. Ensuite, nous aurons une diapositive par chapitre, chapitre que vous avez identifié en rédigeant le support texte. Sur chacun des chapitres, à minima, vous transmettez les idées clés que vous souhaitez donner à l'apprenant. Attention, on parle bien d'idées clés ce ne sont pas les textes que vous devez lire pendant la formation. Ce n'est pas un guide pour vous, c'est un guide pour l'apprenant. Pour créer votre diaporama, nous vous proposons d'utiliser Google Slide. C'est la version diaporama de Google Doc que nous avons vue précédemment. Le document créé se stocke aussi dans Google Drive et vous pourrez en faire un export en PDF ou en PowerPoint pour le mettre sur votre ordinateur. Nous vous recommandons fortement d'exporter votre diaporama sur l'ordinateur plutôt que d'utiliser directement Google Slides au moment de la formation. En procédant ainsi, vous allez limiter l'utilisation d'Internet pour la dédier au maximum à la salle de réunion Zoom. Nous vous proposons un exercice qui est de créer votre diaporama avec une diapositive d'accueil et les principaux chapitres de votre formation. Pour cela, voici une petite démonstration de Google Slides et Google Drive pour vous permettre de vous repérer facilement. Pour créer votre premier diaporama, il suffit donc de se rendre sur votre Drive. Je tape Drive Google je me rends dessus et je vais y accéder avec mon compte et je suis maintenant dans mon drive qui est donc l'espace où se trouve l'ensemble de mes documents pour créer mon diaporama il suffit de faire nouveau puis google slide une nouvelle fenêtre s'ouvre et vous pouvez commencer à le créer. N'oubliez donc pas de faire votre première diapositive qui permet d'accueillir les participants, puis ensuite une diapositive par chapitre, avec les idées clés sur chacun des chapitres.